Shit 1000, ouais. Alors, c'est une musique de Portal ou c'est une musique de Diddy Kong? C'est pas une musique de Diddy Kong Racing, ça? Non, c'est la musique de Portal. Il y a une musique de Diddy Kong qui est un peu pareille. Bon, moi j'ai déjà fait Portal 1, j'ai jamais fait Portal 2 par contre. On va speedrun. Attends, on va même faire le truc du speedrunner. C'est-à-dire mettre le saut sur la molette pour faire du bunny hop. Est-ce que je sais bunny encore? Je crois qu'il faut mettre vers le haut, c'est mieux. Comme ça. Ouais, on va faire la côte, bien sûr. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Quoi? Attends, mais il était bizarre mon skin. Ah non. Alors, est-ce que j'arrive à bunny encore ou pas? Non, je sais plus bunny en vrai. J'ai l'impression que les molettes d'aujourd'hui, elles sont moins bien. Ah. Bof. Ils ont nerf le bunny, faut le faire à l'envers. Ah ouais. Wouah. Ah ouais, ça marche instant. Putain, bien vu. Ah mais c'est incroyable. Ah ouais. Ah, il y a une version RTX. Ah, je savais pas ça. Mais c'est incroyable le bunny à l'envers. En vrai, on va remapper classique. Parce que ça va me perturber. Putain, il a jamais fait Portal Gunther, la honte. C'est la honte quand même. C'est un classique. Après, j'ai jamais fait le 2, donc c'est la honte aussi. Placez le cube de stockage lesté sur le giga bouton d'extra collision d'aperture. Mais du coup, te spoil pas trop si tu veux le faire, quoi. Enfin, te spoil pas toutes les portes. Enfin, toutes les sols. Un coup, putain, en même temps? Quand c'est moteur physique quand même. Il fait toujours le taf hein. Eh merde. Parfait. Retournez rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Alors, je crois que pour l'histoire, c'est fait par un stagiaire. Enfin, l'idée du jeu, je crois que ça a été proposé par un stagiaire, non? Ou une stagiaire même. Je crois que de base, c'était juste un petit truc comme ça, vite fait en interne. Et ils en ont fait un jeu. Je sais pas si c'est Portal ou si c'est un autre jeu. Oh, y a du caca. Putain, mais le moteur, il a pas trop vieilli en vrai. Hein. Un peu les textures, mais ça reste incroyable, hein. Nous apprécions votre diligence. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. T'as refait Black Mesa, non? Très bien. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science.
Incroyable. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels. Ah, t'as que le premier portail au début, j'avais oublié. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important. Ah, c'était un projet scolaire. Ok. J'étais pas loin. Dirigez-vous vers le sas. Attention à la main. Hop là. C'est le speedrun, mon gars. Ça va aller très vite. L'aperture science est le meilleur moyen de l'évaluer. Je sais plus combien de pièces il y a. Il doit y en avoir une trentaine. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous vous en sortez bien. Regarde-moi cette physique incroyable. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Mais ouais, j'ai pas fait... J'ai pas fait la version de Half-Life en mode... remake, là, qu'ils avaient fait. Ouais, Black Mesa, ouais. Je sais pas ce que ça vaut en vrai. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Ah merde, j'avais pas vu. Yodine. Donc là, on peut mourir déjà ici. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Incroyable. Nom du sujet. Vous devez faire la fête. Cette voix. Ville du sujet. Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturbés. Bien. Utilisez maintenant l'échafaudage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. Je sais plus comment on fait. Faut mettre un TP là, non? C'est trop stylé. Ah non. Na 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 na. Regarde si c'est pas incroyable quand même le moteur. Regarde-moi cette folie quoi. C'est le futur quand même. Ouais, c'est vrai que ça l'est toujours hein, quelque part. Ouais, après, ça, c'est un peu ça. Ouais. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention « insatisfaisant » sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance.
Du coup, je suis pressé de faire le 2, je l'ai jamais fait. On va dire que le 1, c'est un grand tuto pour le 2, j'imagine. Qui pousse le concept vraiment plus loin. Très impressionnant. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. Impossible, il a dit. Rebonjour. Nous avons à renouveler notre avertissement. Ce test exige une grande maîtrise. Ok, ils t'apprennent le boost. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. La dynamique, procédé de masse et de vitesse, est conservée entre les portails. Autrement dit, ce qui entre rapidement, sort rapidement. Cette fois est incroyable. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Mon speedrun se passe bien. Ça va se compliquer quand on aura le deuxième portail. Le centre d'enrichissement vous garantit un emploi. Ah voilà, on a le deuxième. Sans danger, il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test. Le son est pas assez fort. Plus dangereux. Parce que le source, faut faire gaffe. Ça nique vite les oreilles. Le sol de cette salle vous tuera. Tâchez de l'éviter. Je vais attendre que ça touche. Ok, it's good. It's good, my friend. Voilà, et maintenant... Je crois que tu peux pas se louper comme ça. Est-ce que je peux ouvrir en haut? okay.
générateur a été modifié de là, le vrai jeu commence. Un élément de portail relié. Dans le cadre d'un protocole de test facultatif, nous avons ajouté une situation cocasse. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des revenus des habitants de la ville du sujet. Yo, Volcan. Layton. Merci le Minotaur. Merde. Claire, c'est tellement un jeu de fou. Je suis d'accord. Ce qui est fou, c'est le moteur surtout, quoi. Le moteur de jeu, il est incroyable. Premier moteur avec une vraie physique, quoi. Regarde-moi cette folie. Conformément au protocole de test déjà cité, nous ne pouvons plus vous mentir. 6 pubs ? Ah ouais, c'est chaud. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. Les sujets souhaitant maîtriser la technologie des portails à haute énergie gamma pourront être informés de conformité réglementaire applicable. Aucune autre information de conformité n'est requise ou ne sera communiquée. Vous faites un excellent sujet de test. En vrai, c'est un jeu qui me dirait bien un speedrun. Ça doit être stylé.
it's good. Yoda-san. Ah non, je me suis trompé. C'est le bleu que j'ai activé ou c'est l'orange de l'autre côté? Ah merde, j'ai un sac. Ah non, c'est bon. Vraiment très bien. Un ascenseur offert par la maison vient d'être activé dans la salle principale. Ah ouais, Dawson. Je sais pas, on m'a dit qu'il était long quand même. Hein. 6-7 heures, donc je sais pas. Ne néglige pas le bien-être des participants. Gâteau et soutien psychologique seront disponibles à la fin. Alors là, il faut abuser. Merci du jump, de hop. Nous avoir aidé à vous aider. Est-ce qu'on peut zouloute ou pas? Traverser au moment où il rentre. Non, c'est mort. Ah, je sais plus comment on fait là. Merde, je sais plus. J'ai un trou de mémoire, ça y est. Là, y a plus rien ici. La jaune, c'est la couleur du soleil, qu'est-ce qu'il raconte? J'aime trop les dessins. Putain, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'on peut zouloute comme ça ou pas? Chien vu d'en haut, t'as été pété celui-là.
J'aime trop que tu peux faire ça aussi avec la caméra. Je crois qu'il y a des trucs avec le speedrunner où tu peux faire... Avec le speedrun, tu peux faire des trucs comme ça, non? Le chien, il m'a marqué à vie, hein, en vrai. Je te jure, je sais plus là. Ouais, tu peux faire des trucs comme ça là, genre dans le mur. Je me souviens mal en speedrun, je peux faire des trucs comme ça là. Bon, pas avec la caméra, mais. T'as des glitches. Putain, mais merde! J'ai un trou de mémoire, sa mère. Comment je peux faire? Ah, on va faire comme ça, ok. C'est bon, j'ai pigé. Je sais pas si c'est comme ça. Ah oui, d'accord, il reste. Ok, bah c'est simple en fait. Trop tard. Ok. Je me prends la tête pour rien en fait. La cuillère n'existe pas, c'est ça. Je pensais qu'il... Je sais pas pourquoi dans ma tête il faisait pas... Il rebondissait pas plus que deux fois. Dans ma tête malade. Là il faut refaire le TP quand tu tombes. Si t'allais vite, y'avait pas besoin de rebond. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait comme rebond, ce con? Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut zouloute comme ça ou pas? Imagine ça marche. Oh, ça, c'est incro- ça serait incroyable. Mais non. Attends, je sais plus, ça y est, je suis bugué là. J'ai trop faim. La faim m'habite. Il y a ma bouffe qui arrive. On peut pas cancel un portal sans... Comment je suis mort là? Tu m'expliques? What the fuck? Je suis tombé dans le néant. J'aime trop cet effet. C'est tellement stylé. Faudrait voir c'est quoi la vitesse max en vrai. En tombant. À mon avis, tu dois avoir des vitesses folles. Connaissant le moteur source sur surf et tout. Sur les maps surf. Mais non! Putain, mais je me trompe de TP, je suis un connard.
Ça doit être incroyable. La boucle. Moi j'aime trop, moi. C'est trop stylé. Est-ce que là il peut rebondir? Je pense que là c'est bon. Ah non, il part forcément comme ça. Et là. Merde. Là il va pas être bon non plus. Je sais plus comment on fait. Je crois pas que tu peux le mettre en rebond comme ça. Pense à l'envers, mais ah oui, c'est déjà ce que je fais. Je pense toujours à l'envers, moi. Cerveau tordu. Putain, mais on peut pas cancel les. J'ai le souvenir que tu pouvais cancel les portails, non? C'est relou. L'autre, l'envers. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Dans mes souvenirs, c'était comme ça. Tout simplement, je suis un débile, moi. Où est-ce qu'il va rentrer là, par contre? Oui. Par contre, faut que je revienne de l'autre côté pour l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on a désactivé là? J'ai activé l'ascenseur, mais comment on y retourne? Wolverine. Attends, mais comment je retourne de l'autre côté? C'est quoi votre Minecraft légende là? Merde. C'est quoi comme Minecraft? Putain, mais il fait quoi le bouton? J'ai pas compris. Ah, il faut aller à l'autre, ok. Le son sur les moniteurs est nickel. Ah ouais, stylé. Moi je t'ai dit, c'est que les voix, la voix encore qui est pas mixée comme j'ai envie. Un jeu de tactique. Ah ouais. Ok. La salle
correspondant à cette séquence de test est temporairement fermée pour maintenance obligatoire. Elle a été remplacée par un... Ah ouais, tu crois? Moi je t'ai dit la voix... Le centre la voix pas sûre encore. Je pense que je vais encore un peu mieux mixer la voix. Manque d'effets, de trucs un peu fous. J'ai eu chaud. Mais non. Quel connard. Ouais, c'est ça, Wolverine. Sérieuse, là? Lui. J'ai belle et même. Je sais pas comment je suis pas mort encore. Attends, je viens vraiment de me softlock là? Ah non. Bon, je mange. Bon appétit. Manifestez le moindre signe de protestation. Oh merde. Ok. Bonsoir, pote chaud.
Le conduit des appareils vitaux va générer un cube de voyage listé dans 3, 2, 1. Ce cube de voyage listé vous accompagnera dans la salle de test. Prenez-en bien soin. J'balabalambam. Les tests du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage listé ne peut pas vous attaquer, ni même parler. Ah merde, il a rebondi. Pas qu'à foutre. Chez le sujet, bah je mange, je suis plus concentré là. Hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage lesté ne peut pas vous attaquer, ni même parler. Yo Gokev, ok, merci beaucoup. Je vais regarder ça, je vais aller voir ça après. Merci mec. Comment qu'on fait là déjà? Ah oui. Ouais, tu masques, tu fais clic droit sur le serveur, tu mets masquer le, masquer le serveur. On peut prendre une caméra pour Zulut ou pas? Non, je pense pas. Bon, je mange. Pas grand monde aux nouveaux horaires, j'ai l'impression. Ou alors c'est le jeu. C'est peut-être le jeu. Moi je mange. Vous m'avez saoulé. Gratuit comme ça. Attends, ça a ouvert quoi là? Ok. Faut que je fasse rebondir avec la caisse, non? On se souvient plus. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Le centre d'enrichissement ah si, c'est ça. C'était bien ça. Dans l'hypothèse où le cube de voyage vous parlerait, le centre d'enrichissement vous déconseille de l'écouter. Par contre là... Est-ce que je vais pouvoir l'activer sans me faire tuer? Oui.
pas si ça va marcher. C'est sympa la gagne. Bah merde. Pourquoi ça marche pas? J'ai pas activé le bon. Attends, il s'active plus celui-là? Il va me faire tuer, non? La mort. It's good. Let's go! Commence à se compliquer un peu là. Je commence à plus me souvenir surtout. Du coup, c'est cool. Faut jeter quoi? Ah oui, le cube. J'ai oublié le cube. Le cube. Vous avez réussi. Le cube de voyage essai vous a porté chance. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite du test. Pauvre petit cube. Euthanasié. Veuillez accompagner votre cube jusqu'à l'incinérateur autonome d'urgence Aperture Science. Son fidèle cube de voyage fraticide. Aussi rapidement que vous. Félicitations. Petit succès fraticide. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Il y a une ambiance quand même, hein. C'est toujours le taf. Quoi, je peux pas ouvrir la porte? Est-ce qu'on peut zouloute comme ça? Ouais. Ouais, en plus j'ai jamais fait le 2, ça va être totale découverte.
Mais merde. C'est la mort. La muerte. La mort en espagnol. Mais merde. Les bim. Ah bon. Attends, c'est quoi cette salle là? Attends, déjà on va essayer de tuer lui. Je sais pas si on peut le tuer avec la boule. Ouais, merci. Quand même. Ça dégage. On va toutes les tuer comme ça on est tranquille. Ok. Je crois que j'ai mal visé. Non. Oh là. C'est juste l'endroit où il y avait la toile, on s'en fout de ça. On arrive à aller là-bas. Là, faut ouvrir.
Merde. On va y aller. Hein. Alors. Du coup, c'est le... Je fais orange et après bleu. Mais merde! Je pense pas que c'est comme ça en vrai. Ok. J'ai failli tomber. Il fait quoi lui? Ah oui, ok. Ouais. Et donc? Je capte pas, j'ai plus de boules. Ah, faut repartir en arrière, genre. Ah, on avait un cube là-haut. Ah ouais, faut vraiment faire ça. Ok. Ok, ok, j'ai pigé. Mais il a pas gardé mon... Ah non, il l'a fait disparaître. Reset. Ok. Et maintenant, je fais quoi avec le cube? Faut qu'on le ramène derrière ça, genre. Je m'en souviens plus ce qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Merde. Ah, ben bien sûr, j'ai pigé. Quand même. Oh, j'ai cru mon cube, il allait tomber. Ça aurait été ballot, ça.
Oh, merci le jeu. C'est ça la marque des grands développeurs. Regarde-moi ce level design. Regarde-moi ce jeu de génie. C'est des génies. Dans certaines situations, pour en savoir c'est des plus, putains de génies. Assister au séminaire sur la sécurité électrique du centre. Putain, Valve quoi. C'est des génies. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? T'étais où, pas tout chaud? Je te voyais plus. T'es en vacances? Même sur les autres streams, je te voyais plus. Normalement, t'étais tout le temps chez Gunther et tout. Jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides. Je travaille, moi. Bah, bon courage, alors. Ah. Ah. Attends, comment qu'on fait, là? Quoi? Ok. Ils sont trop chauds les mecs, ils sont trop chauds. Attends, là, je comprends pas trop, ça presse. Est-ce qu'on aura activé ça? Moi les rebonds c'est pas mon fort. Hein. Maman, tu m'as donné ton sein, maman. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné ton sein. Oh, c'était prévu. Ouh, c'est chaud ça. Je panique. Oh. La panique d'un homme. Greg Guillotin, ah ouais? Ouais, tout simplement. Il va pas nous casser les couilles longtemps celui-là. Ah! Faut refermer du coup. La panique d'un homme. Attends, j'ai pas pigé là. Attends, mon cerveau il a freeze là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais pas plus. Ça va. Toi t'es déçu? Ah ouais? Ouais, bah oui. Ouais, je la sens un peu.
Moi, ça va. Ah, mais je suis trop con, c'est juste ça. Félicitations. On n'est pas plus calé. Le test est terminé. Les technologies Aperture restent opérationnelles jusqu'à 40 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Ah, t'es chauffeur routier ? Merci d'avoir participé à l'activité d'enrichissement par un Aperture Science. Au revoir. Ouais, je ne savais pas de ça. Oh. Dans ma vie que vous ayez atteint le niveau final, nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le générateur à terre, puis allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Un membre de l'équipe fête viendra bientôt vous chercher pour la fête. Que faites-vous? Arrêtez. Dans ma vie que vous ayez atteint le niveau final, nous vous laissons penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le générateur à terre, puis allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Un membre de l'équipe fête viendra bientôt vous chercher pour la fête. Bonjour, où êtes-vous? Je sais que vous êtes là, je sens votre présence. Bonjour. Maman! Tu m'as donné le sang, tu m'as donné la vie. Je vais te la rendre. Oh, c'est le bruitage de CSS. Les souvenirs. Quel jeu? Ok, le test est fini, bravo. Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau. Nous avons passé un bon moment. Nous sommes impressionnés par votre réussite. Le test est fini, revenez. C'est du génie. Qu'est-ce que c'est du génie? Comment je monte là-dessus là?
Regarde ça. Et regarde ça. Oh, le chargement qui durait 10 ans à l'époque. Où croyez-vous aller? Car je ne crois pas que vous alliez où vous pensez aller. Bonjour. N'empêche, c'était la folie de pas avoir des écrans de chargement. Je crois que c'est le premier jeu qui avait ça. Hein. Enfin, les premiers, c'était Half-Life 2. Même Half-Life 1. Même Half-Life 1, il n'y avait pas d'écran de chargement. C'était la folie. Tout le jeu était smooth. C'était incroyable. Half-Life 1, Half-Life 2. On s'est bien amusé, non? Vous vous rappelez quand la plateforme s'ouvrait sur le brasier? Je vous ai dit au revoir et vous aviez dit au plus tu et que je faisais semblant de... Ah! Ah, du coup, c'est stylé tes cheveux fort poids lourds. Hein? C'est une commande? Ah, il y a une échelle. Ah, il y avait une échelle. Mais qu'est-ce que je fais? Quoi, on est revenu ici? Ah. Ouais, mais j'ai oublié la séquence d'avant. Je pensais que le checkpoint était bien avant. Vous ne devriez pas être ici. C'est dangereux, vous savez. Ah! Vous pouvez encore. Vous ne devriez pas être ici. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut juste mettre le TP. J'essaie de passer comme un trou de balle. J'aimerais trop speedrun le jeu en vrai. Vous ne devriez pas être ici. C'est dangereux, vous savez. Vous pouvez encore rebrousser chemin. Je ne suis pas fâché. Retournez dans la zone de test. Mais... Ah bon?
Mais c'était par terre, je suis un trou de balle. Tout simplement. Oh, c'est des génies. Attends, mais par contre, y a pas de mur là, comment je vais faire? Ça passe là? C'est bunny up? Bah, apparemment, ça a été patché. Faut bunny up dans. Faut bunny up. Le dos tourné. Moi, je, sur CSS, je sais bunny, mais en avant, pas en arrière, quoi. En arrière, ça doit être plus chaud. Mais non, mais... Espèce de cagot, là. Y'a une Spock. Bah, on fait pas trop de viewers là aujourd'hui. Hier ça allait, mais là 40 viewers. C'est critique. Oh mon dieu. Oh merde! Putain, je lui ai perdu le son. Je suis arrivé sur ton stream à 4h. C'est le marathon portal, ouais. Sans ranking. Je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Ah. Non. Méchant, c'est trop fumé ça. Qui petit à petit déchante. Pourquoi? Ah.
J'aime trop le faire dans ce sens-là. C'est le speedrun ou quoi? Il aurait pu en être autrement. Trêve de plaisanterie. Revenez ou je vous tue. Je vais vous tuer et il ne reste plus de gâteau. Vous vous en moquez, c'est ça? C'est votre dernière chance. Ah bon? On est presque à la fin là. Ouais, vas-y, vas-y. Faut pas que je prenne la tourelle. Attends. C'est ça, mais on va essayer. Non. Déjà peut-être avec la force du saut. Non, je pense pas que ça soit ça. Merde. Petit trou de mémoire là. On a un ascenseur en haut. Ah oui, d'accord. Mais pousse-toi, espèce de cagole. Merde. Rejouer à CSS du coup. Ça me rappelle le Gravity Gun de Half-Life 2.
Ah merde, c'est pas comme ça. J'étais persuadé que c'était comme ça. Il fallait bloquer l'hélice. En fait, faut aller dans le tuyau. Maybe, maybe not. On va voir. Je pense que c'est par là, mais... On va essayer quand même. Non, je peux pas. Tout simplement. Non, je suis bien posé, t'inquiète. Erreur critique. Merde. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah putain. Ah oui, d'accord. Attends, on va pas le louper quand même. Na 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 na. Ça tombe ça, non? Même pas.
C'est vrai que j'ai passé la moitié de ma vie sur ce moteur de jeu, quoi. Oh, on est à la fin. Putain, déjà ? Bien, vous m'avez trouvé. Bravo. Ça en valait la peine, car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Nous pourrions en rester là et passer à autre chose. Mais nous savons que c'est impossible. Vous avez fait votre choix. Tu m'étonnes. Trop pété. Surprise dans 5, 4... Une petite minute. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je viens de perdre quelque chose que vous avez vu. Ce n'est pas ma surprise. De quoi peut-il s'agir? Peu importe. Je verrai ça plus tard, quand vous serez partie, enfin morte. Où emmenez-vous cette chose? Ne vous attardez pas là-dessus. C'est une blague. Ne me dites pas que vous avez jeté le bidule inconnu d'Aperture Science dans l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Vous avez vraiment agi de manière stupide. Wow. Bonne nouvelle. J'ai trouvé à quoi sert cette chose que vous avez brûlée. Il s'agissait d'un processeur de moralité, installé lorsque j'ai inondé le centre d'une neurotoxine mortelle, afin que j'arrête d'inonder le centre d'une neurotoxine mortelle. Installez-vous confortablement pendant que j'active les émetteurs de neurotoxines. Ah, ce processeur semblait servir à autre chose. Je ne peux plus désactiver les tourelles de défense. Bien, si vous voulez mon avis, autant s'allonger devant une roquette. Croyez-moi, ça sera toujours moins pénible que la neurotoxine. Parfait, continuez donc à faire ce que vous croyez faire. Ce n'est pas parce que je vais vous tuer que je ne peux pas vous donner de conseils. Optez pour la roquette. Ça m'est égal ce que vous venez de détruire. Il s'agit du catalyseur de craquage des fluides. Il sert à fabriquer des chaussures pour les orphelins. Bravo, vous l'avez cassé. Honte sur vous. C'est un meurtre. Je ne vous ai rien fait. Je ressens la douleur contrairement à vous. Vous vous en moquez, c'est ça? Casse les couilles. Vous avez entendu? J'ai dit que vous vous en moquiez. Vous m'écoutez? Enfin, je sais plus où c'est le bon truc. Peut-être là. Okay. Inutile d'essayer de vous raisonner. Dorénavant, nous allons parler beaucoup moins et nous allons. Pardon, vous avez dit quelque chose? Vous ne croyez pas sérieusement que je vais vous dire? Je ne vous parle plus. Plus de bavardage. Malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas vous administrer la neurotoxine plus rapidement. Je tiens à préciser que nous avions mis toutes les chances de votre côté. Nous avions même organisé une fête pour vous. Une grande fête avec tous vos amis. Nous avions même invité votre meilleur ami le cul de voyage. Bien entendu, il a dû se désister comme vous l'avez tué. Vos autres amis n'ont pas pu venir car vous n'en avez pas. Rien d'étonnant, mais votre attitude désagréable. C'est écrit dans votre dossier, désagréable. Détesté de tous, un être solitaire. Neurotoxine. Mortel. J'ai tout. Je plaisante. Quand j'ai dit mortel, il fallait relever le ton sarcastique que j'ai employé.
Je pourrais prendre un bain de neurotoxines, en manger au petit déjeuner et me frotter avec, que ça n'aurait aucun effet. Du moins sur moi. Vous, en revanche, risquez de ne pas apprécier son côté dévastateur. Qui préparera les gâteaux si je meurs? Écoutez, vous perdez votre temps. C'est dommage pour le peu qui vous reste. Vous espérez quoi exactement? Survivre? Dans ce cas, évitez de me faire du mal. J'ai scanné et sauvegardé votre cerveau. Au cas où il vous arriverait quelque chose de mal, c'est-à-dire très bientôt. Vous ne croyez pas? Écoutez donc. Bonjour. C'est vous avez vraiment l'air stupide. Vous avez fait fausse route depuis le départ, même à propos de cette chose. Vous êtes stupide. Vous n'êtes ni scientifique. Je vais mourir. Même l'employé à temps plein. Quoi? Il touche pas. On cherche à s'enfuir. Touche-le, bon sang. La dernière fois que vous avez quitté ce bâtiment, vous allez regretter votre partie quand vous verrez ce qui vous attend. Quand même. Qui tu es sur le monde extérieur? Sinon que je suis la seule chose qui nous sépare d'eux. Enfin, j'étais. À moins que vous n'ayez un plan pour vite, une minute. Ordinateur. Très rapidement, vous allez bientôt être en danger ici. Au fait, bon travail. Fin du test dans la sphère sarcastique. Cessez de planifier une nouvelle dignité où j'efface votre sauvegarde. Stop, ça suffit. Je vais l'effacer. Quoi qu'il arrive, vous êtes morte. Vous pouvez encore vivre, vous croyez-moi. Mais non! Cette partie de vous qui aurait pu survivre éternellement non plus, je vous ai supprimé de notre base de données. Votre vie toute entière n'a été qu'une erreur de calcul. Et ça dégage time! Et time, les gars! Franchement, on a speedrun, hein! On a speedrun de ouf! Bon, je finis de manger. T'en as pensé quoi alors, Gunther? Tu l'avais jamais vu? T'enchaînes sur le 2? Ouais, je pense. C'est du génie, hein.